merci de vous être déplacé en nombre aujourd'hui pour ce 103e anniversaire de la commémoration de l'armistice de 1918. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, nous fêtons également les 100 ans de M. Alaric, cher Paul. Quel honneur et quel bonheur. 100 ans, c'est magnifique. Voilà, vous qui êtes l'image de cette résistance et de cet esprit au combat qui avait servi sous les ordres du général de Lattre de Tassigny, dans cet magnifique régiment Rhin et Danube, aux commandes d'un char Sherman. Oui, vous pouvez l'applaudir, c'est... Le 11 novembre 1918, à 11h du matin, prenez effet le cessez-le-feu, décidé un peu plus tôt dans la nuit sur la base d'un armistice difficilement négocié entre les belligérants. Dès cet instant, des millions de nos compatriotes descendaient dans les rues pour fêter une victoire qui, pour nombre de familles endeuillées, avait un goût amer. 1,3 million de jeunes Français venaient de payer le prix du sang, laissant dans le désarroi 700 000 veuves et 1 million d'orphelins. Sans oublier le million de soldats estropiés, ces fameuses gueules cassées, qui viendront longtemps hanter nos mémoires. C'est en réalité toute une génération qui a été amputée de ses forces vives, laissant un pays certes victorieux, mais en partie démuni, pour faire face aux nombreux défis qui se présentaient à elle. Ces chiffres viennent rappeler ce que fut cette saignée de 14-18 et les conséquences que cette guerre eut pour la France et pour l'ensemble de l'Europe, qui cessa à cette date de dominer politiquement, culturellement et économiquement le monde. Mais de cette monstruosité que fut la Grande Guerre, émerge ce constat d'un peuple, le nôtre, qui, uni par ses valeurs et un fort sentiment d'appartenance à la nation, est allé au bout de lui-même, pour finalement l'emporter sur ses puissants ennemis. La France, de 14-18, est un pays qui croit en la supériorité de son modèle de civilisation et qui a fait de la République l'accomplissement de sa longue histoire. En ces temps de repentance et de doute, cet héritage ne peut que nous interpeller et nous rappeler combien la France n'est grande que lorsque les Français se sentent unis. En 1914, les Français ne doutaient pas. Ils avaient la foi dans leur capacité à affronter collectivement l'adversité. Les hussards de la République avaient enseigné dans les écoles communales cet amour de la patrie, sans laquelle rien n'est possible. C'était un temps où les Français s'aimaient, où l'ambition collective de voir la nation progresser fraternellement l'emporter sur toute forme d'individualisme. C'était un temps où la France constituait une communauté unie et indivisible. C'était un temps où les Français apprenaient, dès leur plus jeune âge, à chérir leur patrie et à la servir. Ce temps nous paraît un peu éloigné aujourd'hui, mais sans espérer le ressusciter, il n'est pas interdit de s'en inspirer, ni de s'instruire des leçons que nous pouvons en tirer. Aujourd'hui, plus que jamais, la France a besoin d'unité, de se rassembler autour de ses idéaux, de ses principes et de ce qui fonde ce que l'on appelle souvent le fameux vivre ensemble. Cela suppose de renoncer à toute forme de compromission ou autre accommodement. Il existe désormais dans les esprits et dans les cœurs d'autres Alsace-Lorraine à reconquérir. Commémorer comme nous le faisons aujourd'hui cette victoire n'a de sens que si cela nous aide à trouver le courage et la volonté de renverser des montagnes. En 1914, il est parfois nécessaire de le rappeler, ce n'est pas la France qui a voulu la guerre. Elle y a fait face, avec détermination, consciente qu'il en allait de sa survie. Souvent, tout au long de son histoire, notre pays a été confronté à la question de sa pérennité. Et la situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas si différente et appelle la même mobilisation. Certes, nous ne sommes pas en guerre, mais sauvegarder notre identité n'est pas le moindre des combats que nous avons à mener.
Le général de Gaulle affirmait lors d'une allocution à l'Élysée en 1959 « En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Soyons certains qu'aujourd'hui, comme hier, notre civilisation est la plus à même de soutenir cette querelle et de faire triompher cette certaine idée de l'humanité qui est la nôtre. Aussi, c'est fort de cette conviction et fidèle à nos anciens combattants et à leur sacrifice que nous devons proclamer « Vive la République, vive la France !»